Les lions indomptables affûtent leurs griffes en vue du match contre les pharaons d'Égypte, comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Aboubacar Vincent et ses coéquipiers ont pris part le 31 janvier à une séance d'entraînement au stade du complexe Mundisport de Yaoundé. La première après leur victoire contre la Gambie le samedi 29 janvier. Une prestation saluée par le public et le sélectionneur Antonio Conceição. Douala, on se sent à la maison. À chaque fois qu'on a joué à Douala, on a senti de l'amour du public, un public enthousiaste qui aime le football, qui appuie les garçons de la première à la dernière minute. Donc nous, pour nous, on est très contents de cette ferveur qui existe autour de l'équipe à Douala. Et c'est vrai qu'aussi à Yaoundé, on ressent principalement Stade Olembe avec l'ampleur du stade. On ressent aussi cette ferveur qui tourne autour du public, l'envie du public d'être vraiment le 12e homme. Et pour nous, c'est un facteur plus. Pour nous, on en a besoin. Donc on est très fiers d'avoir ces supporters-là. Le coach des Lions indomptables s'est dit déterminé à conduire son équipe jusqu'en finale le 6 février prochain. On sait ce que la force de l'Égypte, mais moi ce qui me préoccupe c'est principalement mon équipe comme je l'ai toujours fait depuis le début. On espère et on est confiant que les garçons soient avec la même attitude compétitive et les mêmes ambitions pour pouvoir atteindre la finale, l'objectif qu'on s'est lancé depuis le début. Pour l'heure, les poulains du sélectionneur portugais peaufinent leur série de jeux ainsi que leur technique et leur endurance. Le rendez-vous est donc pris le 3 février lorsqu'il sera 20h au stade Olembe de Yaoundé.